Et leurs frères, révêtis de bissus,
se tenait en orient de l'autel avec des serments et des dites des armes et avait d'eux auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel. Et donc on a besoin de nous besoin. Ceux qui chantaient et ceux qui sonnaient la trompette s'unissant. Lorsque tu vois les serviteurs de Dieu à baisser un programme, donner un programme, toi qui es chanteur, tu ne peux pas diriger ces programmes. Nous n'avons pas seulement des sons d'une guitare ou d'une belle voix. Voilà la définition de la musique. Là, c'est la définition de la musique selon le monde. Son agréable à l'oreille. Mais pas en bêtise, mais pas chez Dieu, bien aimé. Pas en maison aux arbres. Je le sais bien si tu n'es pas senti. Attends, il y a une voix qui t'en connaît. Même si tu as une très belle voix. À son garçon, nous m'appelons. Ton son sera désagréable à son garçon. Je ne veux même pas que tu t'approches de lui. Voilà la définition en bas. Là, c'est la définition des hommes. Son agréable à l'oreille. Des abattus. Ça, c'est les hommes. Et pas en bêtise. Et non chez Dieu. Dieu voit la sanctification. Vous savez, à ta la kakoukouli, ça va mouiller la crainte de Dieu. Un chanteur, une fois, ça vraiment consacré. Parce que la consécration, c'est Dieu qui le fait. Le Seigneur te prend et te met à part. Au comique, on travaille avec crainte. Tu commences à travailler avec crainte et tremblement. Même monter. À ta moussaille, il faut que Dieu te consacre. Le Seigneur nous a mis à où l'issue à tes autres. Il nous a mis à consacrer, on te consacre très léger. Si le Seigneur ne te consacre pas, tu seras très léger. On marche dans ma solo à part moi. Tu vas commencer à raconter des choses vertes. Parce que Dieu a consacré. On nous a mis à où l'issue à tes autres. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Seigneur nous a soulagé. Le travail de Dieu. L'œuvre de Dieu pour nous tous échapper dans ma projet nous sur l'ennemi a préparé contre nous. Pour que nous échappions tous les projets préparés par l'ennemi, il faut la prière. Et Seigneur, le sang pour le béné. La prière, c'est très important. Le sang pour le béné peut être allé pour Dieu. Ma chante la Bible, va dire que le sang pour moi, casse la main à la main. Les chantres de la Bible et leurs enfants étaient des hommes de prière. Et c'est pourquoi quand ils chantaient, ils c'est ça, 1 Chronique 25, verset 1. C'est très important ces choses. Et le tant célébrer le Seigneur. Il célébrait le Seigneur. S'unissant de même encore, dans ces secrets, pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Nous avons toujours dans les Chroniques 5. Et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon. Car sa miséricorde dira toujours. C'était seulement cette chanson. Car il est bon. Car sa miséricorde. Car il est bon. Car sa miséricorde. Car sa miséricorde. Les faits qu'il va se sanctifier. Les faits qu'ils étaient sanctifiés au préalable. Quel moyen ça m'a quitté qui n'a pas été. Car il est bon. Oui, t'as animal. Car sa miséricorde. Oui, t'es maman, elle est soumise. Et toi, tu m'as manqué. Ça paraît faire mon aide. Mais c'est une grande chose, Dieu. Ce n'est que ces paroles qui s'arrêtent dans ta parole. La Bible me dit. La Bible dit ceci. En ce moment-là, la maison de l'Éternel
Fille remplie d'une nuée. Le Seigneur a fait descendre la gloire. C'est ce que nous avons besoin. Que le Seigneur lui-même prenne en charge son œuvre. Et Dieu bénisse. Amen. Et à mon ami, Nazaraki aussi, Colombien, il y a dimanche. C'est pourquoi le dimanche passé, j'étais en train de parler. Par la grâce de Dieu, Namboulou et Nzambé, a touché qui aussi 1 Corinthiens 11. J'avais touché 1 Corinthiens chapitre 11. Ce que nous devons comprendre, le macambo neti, où ils ont comme dans 1 Corinthiens 11. Si par exemple tu veux comprendre les choses qui se disent dans 1 Corinthiens 11, il faut évaluer Rwanda. Tu dois savoir qu'en ces temps-là, Paul a zareko utilisé des barouleaux. Que Paul utilisait les rouleaux des prophètes de l'ancienne alliance. Ils utilisaient les livres des prophètes des anciens. Dans Isaïe. Les livres des anciens. Les prophètes Niamchi. Tout le prophète. Et ça, le Coran a le bagage. Ah, les apôtres. C'est comme j'ai toujours dit que les livres des anciens. Attends, on a maman, apôtres. En leur temps, les apôtres. Ils ne lisaient pas les livres des actes des apôtres. Ah, les apôtres, les anakis, n'a pas de yamoto, babéli, lik. Mais là, les livres des actes des apôtres étaient dans le sac du frère Luc. Il y a des apôtres comme étape par étape, le lègue oeo, basanaki, pourtant, on en a pas. C'est lui qui écrivait étape par étape, comment est-ce qu'il marchait avec lui. Mais avant, il faut qu'on en étape aussi à l'église à Jérusalem. Il écrivait aussi les étapes ou les périodes des églises de Jérusalem. Ils avaient un sac. Et ses livres étaient dans son sac. Parce qu'il va devenir la tienne à mort. Parce que quand on a fait les apôtres, cherchons d'abord la place. Les apôtres vont dire qu'il dit. Là où les apôtres ont prêché sur la dîme. Au moine. Donc que c'est l'enfantillage. Dans Paul, il a dit la dîme. Lorsque Paul veut prêcher la dîme, a besoin de nombre. Il va utiliser les livres de nombre. Pour y avoir un livre pour utiliser. Parce que c'est qu'il veut utiliser ces livres-là. Pour y avoir les livres de la loi. Il y a beaucoup moins à Paul à son rabouille. C'est pourquoi Paul disait ceci. La façon dont il y a Zaraï pour enseigner. La façon dont il enseignait la parole. On suit acte 26. Acte chapitre 26. À partir du verset 23e. Le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nabalina 22. Mais grâce, dans un acte 26, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits aigres, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. Il y a la taille à prédication. Ton même observe le temps de la prédication. Toi qui t'inquiètes si nous faisons seulement une heure de prédication. L'entretien dira du matin jusqu'au soir. Combien d'écritures il avait utilisé. En cherchant dans la loi de Moïse.
commence. Dans les prophètes. Mais dans ta tête, pourquoi va s'appeler? Il prêchait quoi? À sa côté, le royaume de Dieu. Au quotidien, ta mère. Dans le royaume de Dieu, dans Genèse. Il voyait le royaume dans Genèse. Dans Exode. Dans le livre d'Exode. Même pour nous apporter à l'homme de Dieu dans la place par lui, dans Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est proche. On va prêcher le royaume seulement par la parole de Jean-Baptiste. On a des thèmes. Et ça, c'est son thème. Pour avoir une babonie, royaume de Dieu. Parce que le royaume est dit pour. Après, nous avons la bébé. Après, là, notre à part. Moïse a montré le royaume de Dieu dans Lévitique. Et Paul avait vu le royaume de Dieu. Porte plutôt. Attaquez un vraiment bon nombre. Il a vu le royaume par le royaume de Dieu. Il a vu le royaume. Mais comment était royaume? Mais il n'était pas écrit royaume de Dieu. Tu vois comment est-ce qu'il prêchait la parole? Et c'est pourquoi dans vos hommes, on a de la Kambo, il y a voile. Et c'est pourquoi lorsque tu vois Paul parler du voile, Azul Kambo chevelu. Il parle de la chevelure. Côté Galatien figé dans 1 Corinthiens 11. Il ne reste pas seulement là sur 1 Corinthiens 11. Lucas est en mode dans l'écriture à ma prophète. Ils vont chercher le voile et la chevelure dans les écritures des prophètes. Parce que Macamo Paul a fait pour enseigner. Parce que c'est que Paul était en train d'enseigner. Dans Acte 17, verset 10 et 11. Dans Acte 17, verset 10 et 11. J'ai mis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 11. Acte 17. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et celui qui rapporte ces choses, c'est le frère Luc. Et celui qui avait écrit même le livre de Luc. Et ce livre était adressé au frère Théophile. Mais le Seigneur l'a utilisé pour nous tous. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les écritures. Paul a dit, notre Paul prêche. Avant, ma femme a tué. Et ils sont des Juifs. Ma sœur a la parole à Moïse. Ils utilisent les rouleaux de Moïse. Ils ont écouté la parole de Paul. Maintenant, on a Lévitique. Il examine dans Lévitique. Donc, Paul a dit, Paul a prêché. Maintenant, on a livré Josué. Il examine dans le livre de Josué. Ils étaient des Juifs. Ma sœur a qui m'a eu dans les autres. Et m'a trouvé que ma Paul a son va dans les rouleaux. Ils avaient trouvé que ce que disait Paul était dans le rouleau des prophètes. Alors, tant qu'on aujourd'hui du texte, il y a 1 Corinthiens 11. Lorsque tu prends par exemple le texte de 1 Corinthiens 11, il faut d'abord laisser ce texte. Donc, à place Paul à Zaroza Macambo. Et cherche là où Paul puisait ces choses-là. Pour comprendre le sens de Macambo. Pour comprendre le sens de ces choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de monétaires au cours de ce pays autant que c'est à 2 Chroniques 5. Le texte qui n'a plus à Dieu de nous enseigner dans 2 Chroniques 5. Parce que le Seigneur a quitté sa gloire. Parce que le Seigneur avait fait descendre sa gloire. Le temple. Dans le temple. Gloire ou en a. Et cette gloire, tant qu'Aïe et pas à Esaïe. Et lorsqu'il est venu chez le prophète Esaïe. Azon considéré l'Esaïe 3. Il considère dans l'Esaïe chapitre 3. Azon considéré ma femme d'union sur Israël. Et on considère tous les habitants d'Israël. Sans exception. Pour le mot latin, on peut dire. Banamibal. Et les hommes. Banabas. Et les femmes. Comme Banabas. Et comme les filles de Sion. Vous en avez un? Il faut aussi parler d'un texte d'Esaïe. Il faut saisir les textes tels qu'il est. Alors, on a une fille de Jérusalem. Il est passé à Jérusalem. Il est en moi. Cela ne veut pas dire les jeunes filles naturelles. N'a pas le droit à la cadette. Les jeunes filles sont comptées dans les filles de Sion. Vous comprenez l'écriture d'Esaïe. Tu comprends l'écriture telle qu'elle est. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. N'a Esaïe 3. N'a pas le droit à ça. Les rois aussi s'y retrouvaient. Donc, parce que. Et t'es mignon, il y a ma bénédiction. Parce que
toutes les parties de la parole, on les compare aussi à une femme ou aux femmes. Quand tu as lu Ésaïe 62, verset 4, en lisant Ésaïe 62, verset 4, on appellera ta terre et plus. Ma pouvinga kama bele na yo moi si elle parle. Donc moi, ma bele ma bele ma yo moi si. Donc on appelle aussi la terre comme épouse. Et c'est pourquoi la pluie est faite dans la semence. C'est pourquoi la pluie donne la semence. Donc pluie à sa repas. Donc la pluie c'est énorme. C'est pourquoi ton la pluie est c'est l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Nous disons que la pluie c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc la pluie provient du ciel pour s'attacher à sa femme. Ça la semence à la terre. Pour donner la semence à la terre. En fait que la terre a produit en comme fait une femme. La terre manifeste les fruits comme une femme. C'est ça qui se enseigne. Isaïe se concerne. Malgré la pluie donne la semence. Un voula épais ça comme un mot. Donc pluie ça va comparer à un homme. Donc la pluie est comparée à un homme. Parce qu'il y a un kitaka. Sa mère maison pour la colo aïe. Parce que c'est la pluie qui quitte leur maison là-bas en haut pour venir non, sur on le pays. M'appelait Ezara qui a Israël. Vous voyez, tel que le pays d'Israël, tel qu'il était. Le lingue va tribu. Bana Jacob. Comment est-ce que les tribus le fils de Jacob comment est-ce qu'ils avaient leur portion de terre? Et eux-mêmes, Zamba Zabon Nabo comme des filles. Le Seigneur les voyait tous comme des filles de Sion. L'écriture d'Ésaïe 3, c'est pourquoi l'écriture d'Ésaïe chapitre 3, Bazon présenté par fille et béné, on présente plusieurs filles, mais Bazaka n'a tout mon corps, mais qui n'ont qu'une seule tête. Moutouana, et cette tête, n'Ésaïe, temple de Dieu, et c'est là où la maison de Dieu est arrivée. Et cette tête représente les temples, la maison de Dieu. Or, la fille, éléguez-moi si, chevelure naïenne des amères de Namokon, gloire. C'est sa chevelure que le Seigneur a appelé comme la gloire. C'est là-bas où Paul a soi qui, à mon examen, Paul a vu le Seigneur, a quitté sa, qu'est-ce qu'on à Salomon. Qui a fait descendre sa gloire du temps de Salomon. Qu'est-ce qu'on a à la gloire. Et cette gloire, c'est ça la gloire. Donc cela veut dire fille, c'est-à-dire les filles, les filles de Sion, à toi qui gloire n'a pas mort et qui t'a dit dans le temple. Avait reçu leur gloire, celle qui était descendue dans le temple. La maison de Dieu, la quoi même. Et si quand on va les alliés, là où il y avait la même point, et la maison de Dieu, même où tout monde y avait la masse et béni. C'est la seule tête de plusieurs filles de Sion. Ésaïe 3, c'est pourquoi si tu remarques dans Ésaïe 3, verset 17, le verset 17, le Seigneur rendra chauve Yahweh à Kokoko la Montou, les sommets de la tête, Souge à Montou, à Panika à Montou, on a dit qu'une seule tête, mais par le nom des filles, il y a Bilégué Bassié, des Sion, il y a Sion, des filles, et autres années, ma tribu, nous sommes à ça. Et ces plusieurs filles parlaient de plusieurs tribus d'Israël. Mais la tribu d'Israël, parce que la valeur a une seule tête, place la maison de Dieu à Nangoma. Et toutes ces filles n'ont qu'une seule tête, la maison de Dieu sur la montagne. Langage à moi aussi, on peut trouver à moi et pas Ézéchiel. Et tu vas trouver aussi ce langage, c'est le prophète Ézéchiel 24. Dans Ézéchiel 24, à partir du verset 16. À partir du verset 16. Le Seigneur est ici. Ézéchiel. Le Seigneur s'adresse au prophète. Alumi na kolongo la o esala ka fierté na esala ka délice na. Je vais enlever ce qui fait le délice de tes yeux. Mais tant na kolongo la o. Mais lorsque je l'enlève. Olé la tête. Ne fais pas le deuil. Le Seigneur a passé un message le matin. Le Seigneur lui a donné le message le matin. Sa femme a couché au soir. Et sa femme a mouru le soir. Femme ou un élégant colomba. Temple. Et cette femme a parlé du temple à Jérusalem. La femme a sa gana chevelue. Et la femme a la chevelue. On a appelé comme une femme. Et là, il a appelé une femme. Mais elle a dit à moi, mais elle a la délice. Et ça la gloire d'Israël. On dit c'est ce qui fait le délice ou la gloire d'Israël. C'est comparant à une femme. Mais le Seigneur l'a comparé à la femme du prophète. Donc ça peut être un moment qui moi c'est Ézéchiel. Lorsque le Seigneur avait tué la femme. Mais Ézéchiel 24. Ézéchiel 24. Alors c'est Ézéchiel connaît la tête. Il a dit ne fais pas
pas de deuil. Et nous avons dit ça, donc cela veut dire, quand vous ne vous connaissez pas, vous voyez, vous ça temple de la maison. Lorsque le roi de Babylone viendra renverser le temple, le Seigneur ne va pas s'inquiéter comme Ézéchiel. Donc Ézéchiel a dit comme signe de l'éternel. Donc Ézéchiel était comme le signe de Dieu lui-même. Parce que nous avons passé de la cabane comme un signe. Parce que le Seigneur utilise les hommes comme des signes. Donc, Awawa, donc ici, il y a le Seigneur a promis comme vous êtes désobéissant. La boca t'a mis dans son pitié. Et ça chauffe le sommet de votre tête. Oh, boca t'a souki, vous savez, venir Israël à côté la honte. Donc, raser la chevelure, c'est faire entrer Israël dans la honte. Il y a même Paul qui a dit qu'on était 11. Et c'est ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 11. C'est une honte pour une femme d'être rasée. Mais ça dit, son niveau là, moi, si ma coco là, il est mort. C'est ça. Alors, on est dans le boulot. Paul le prenait cela dans le boulot. Effectivement, je dis, en bas, moi, les gloires là. Effectivement, si le Seigneur enlève sa gloire, comme il a sauvé, et tu entres dans le propre. C'est comme ça que Paul comprenait les écrits. Et ça dit, bon, on est Paul, à Zalaki, qu'on se soit la commune. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Dans Ézéchiel 10. Dans Ézéchiel chapitre 10. Donc la parole que le Seigneur a dite dans Ésaïe 3. Verset 17. Donc au verset 17. Il va raser la chevelure des filles de Sion. Tu penses que le Seigneur va les faire entrer dans un salon de coiffure? Que le Seigneur achète une gilette. Il a fait aussi notre nation comme des rasoirs. Donc je ne suis pas d'abord dans ça. Donc ce que la tête est là, et là qu'on a eu, il faut comprendre. Ce que tu vas comprendre dans toutes ces choses. Zappé le bol à la caca à cause à la tête. Comme le Seigneur avait promis, lui ne mange jamais. Dieu dit. Zappé à l'autre. Et la chose arrive. Fais l'eau et pour qui ça. Le bol à la caca à la caca à la souki. Comme il avait dit qu'il va raser leurs chevelures. Maintenant, les autres qui s'en demandaient dans Ézéchiel 10. Maintenant, cela s'accomplit dans le livre d'Ézéchiel 10. Sauf qu'on a Ézéchiel 10. En lisant Ézéchiel 10. On comprend la gloire où elle est quittée dans 2 Chroniques 5. Vous allez voir la gloire qui est descendue dans 2 Chroniques 5. Oui, on s'en va baigner en Ésaïe 3. Chevelure. Et le Seigneur a appelé chevelure et la femme dans Ésaïe 3. Gloire à moi, maintenant, les autres ont un temple. Et cette gloire, maintenant, sort du temple. Dans Ézéchiel 10. Dans Ézéchiel chapitre 10. On t'a mis à bonheur. Suivi tous les chapitres de ce qu'elle dit. On commence à la gloire de Dieu, le roi. Tu vas voir la gloire du Seigneur s'est retiré du temps. Et c'est qu'elle n'a pas besoin de la maison, on attend. C'est le prophète de ce qu'elle qui la voit s'est retiré du temps. Dans vos autres temps, verset 19, 20. Lorsque tu lis le verset 19, 22, et ce qu'elle dit. Parce que expliquer mais qui gloire les optiques à temple. On explique comment la gloire abandonne ses temps. Ah, c'est l'accomplissement de la prophétie dans même ce qu'Esaïe 3, 17, 44 avant. C'est la prophétie d'Esaïe 3 où Dieu a venu qui va écraser leur tête. Et d'abord, on voit les ceux qui vont les aller qui gloire naïf. Et lorsqu'il rase cette chevelure qui est Israël, comment qu'il a sauvé. Israël était entré dans la honte ou le corps. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11. Il y a un peu Paul à Zali Koloban, on t'a dit comme elle a dit par les paroles. Et maintenant, nous utilisons comme la doctrine. Et c'est ce que Paul utilise comme la pratique de l'Église. Et la chevelure de la femme, sous qui a moi si, les a une gloire. Les a dit, quel bon vivant. Akokiko kataka et amour d'elle. La femme ne peut pas se raser la tête. D'être expliqué. Alors on avait expliqué. La chevelure. La chevelure. Où est-ce qu'on croit? Où est-ce qu'on a dit? Bon, on a parlé avec l'écriture. Lorsque Paul avait observé les écritures, il a trouvé que la gloire remplissait la maison. Il avait vu la gloire remplir la maison. La maison, c'est comme aussi un voile. Donc, n'a pas besoin de payer le coup de la mort et aussi pas souki. Vous en avez là? Amen. 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 Il a des chevilles encore dans cette chevelure. Mais il y a qui va là, il y a des années dans lesquelles la gloire est l'ennuyée. Ah, si ça chevelure. A remarqué que gloire ou les bombes mis dans la tête. Petit enveloppe. Aux autres, tu me suis attentivement. Et
Et tu vas remarquer. Alors, il dit, moi si à vous. Il a dit la forme naturelle. Mais par exemple, toi, ma soeur, vous avez une gloire pour l'homme. Vous avez qu'un mot pour la moubaille. Mais non. Parce que vous parlez. Vous avez pour la gloire pour Dieu. Vous avez qu'un mot à l'âme. Maintenant, dans notre la culte. Lorsque nous venons au culte, vous avez pour la gloire de Dieu. Vous avez pour la gloire pour l'âme. Alors, ce qui est aussi qui n'a pas. Alors, si toi, ma soeur, tu ne couvres pas ta chevelure, cela veut dire gloire à l'homme et ça manifeste. Tu veux, tu. Cela veut dire que la gloire de l'homme est de Dieu. Il veut, à sa comme gloire de Dieu. Et l'homme aussi, de son côté, la gloire de Dieu. Donc, deux gloires dans une assemblée. Donc, il y aura maintenant deux gloires dans une assemblée. Là, les anges. Et mangez-nous, Bakosa la tête, n'a nous sans voir. Il faut vraiment une autorité dont la forme dépend. Et c'est bien, il va mon conduire, moi, si elle a lissé, n'a pas. Donc, moi, si il faut sa gloire, ou aïe. Donc, la femme doit prendre sa gloire, ou aïe, mais ça va mal. Qu'elle donne à l'homme, à Zipango. Qu'elle puisse la couvrir. Maintenant, dans l'assemblée, si n'a pas de l'issanga, gloire qu'à Amoko et Tikali Yazam. Et c'est ma une seule gloire doit demeurer et celle qui appartient à c'est lui. Pourquoi l'homme ne peut jamais couvrir sa tête. Il y a un moment qui a quitté aussi par mon tout n'aillé. Amen. Tous autres sont malins. Nous comprenons bien les Écritures. Parce que notre souci, les amis, qui ont eu aussi doctrine très bien. Parce que notre souci est que tu saches maîtriser les choses pratiques dans lesquelles. Il n'a pas compris que ça va te dire sur l'église, ma mission. Ne va pas dire aux gens, nous dans notre église. Non. Au bac à l'école, il faut dire qu'il est écrit. Il a la dynamique. Et cela est très important. Comment il est écrit. On va analyser, on va dire qu'on écrit. Et c'est qui est la chose la plus importante. Et là, comment on va trouver un besoin quand on est en pression, la mission par la grâce de Dieu. Nous allons prendre point par point pour nous aider par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour la Bible. Donc, tous autant, il s'est payé sur ces trois doctrines. Donc, nous parlons sur ces trois doctrines. La doctrine des Nicolaïtes, si tu le bien qui est mort. Et la Christianie Nicolas, qu'on avait déjà abordé. Un esprit conquérant, Nicolas Pepe. On lit mon Yakolo, pas Nicolas, un peu comme il s'en va au monde. Conquérir le peuple à plusieurs formes, on en avait déjà parlé. Et on touchait qui aussi Balamisme. Et on avait touché aussi la doctrine des Balam. On a totalisé qui la cupidité. Et là-bas, on avait fait voir la cupidité. Balam aima les salaires plutôt de l'iniquité. Et Anita qui n'a monté Manaïm Foutsi à mon salaire à ma paix. On ne développe pas qui totalisé qui. On avait développé pour montrer que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Au lingoté, le concernant, mes amis, nous si ça, il y a pas ma déniance. Là, on a pris 1 Timothée 6. Là, on avait pris 1 Timothée 6. Dans le verset 10. Au verset 10. Ce qui aux en a pour les moins bons. Si tu as la cupidité ou l'amour de l'argent, il n'y a pas que ma déniance. Sache que le mal va te suivre. Bon, mais ça m'a bêté. L'argent n'est pas mauvais en soi. Mais Bolingoné a bon, mais ça m'a bêté. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. As-tu un exemple? Je prends un exemple. C'est tout pour la manégo, ma zone, la mission, la direct. Surtout pour nos frères qui nous suivent dans les directs. Bah, au bazar, aux États-Unis, là-bas, France. C'est qui sont aux États-Unis, en France, et qui nous suivent. Bah, comment la culture, mon quoi? Ils ont remarqué une culture. Et bah, ton bazar, ça. Plus du temps, et les gens prennent plus leur temps à travail, au travail que l'adoration du Seigneur. Dans l'adoration du Seigneur Dieu. Alors, Emelé Nabamo va hériter aussi cette nature. Et beaucoup d'entre eux ont hérité cette nature. Ils sont au culte, ils sont au culte, parfois à dimanche, parfois seulement le dimanche. Parce qu'ils ont vu aussi les autres seulement le dimanche. À côté dimanche. Le dimanche, ils s'élancent ensemble. Maintenant, parfois, on a une heure du temps. Maintenant, cependant, ces cultes-là, ils ne feront qu'une heure du temps du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce. Ils ont écouté le chant. La prédication. Parfois, l'idée, c'est 30 à 35 minutes. Parfois, la prédication ne prend que 30 à 35 minutes. Et après, on va se
Après là, il se précipite à sortir. Il entre et dit que le temps c'est de l'argent. Et Dieu voit aussi. Ça fait un salut commun. Tu sais attentivement. La parole est fois habitée dans la carte de la mission abondamment. Il nous essaye les fois dans la carte de la mission, mais quel bénéfice. Ceux qui ont joué la parole t'es souvent. Si tu n'écoutes pas la parole, on s'attache à la parole t'es. Tu n'attaches pas la parole. Produit où on manifester, vous en êtes contre la parole. Ce que tu vas manifester sera contre la parole. La légèreté qu'on compte. La légèreté va montrer. Comment on remplacer ma film et la place à parole. Tu vas remplacer la parole par des films. Pose la même parole, on a manqué. Parce que tu écoutes peu la parole. Légèreté remplace. Donc les légèretés prennent place. Donc nous nous sommes parfois à voir ça, la saline à tombe. Les autres parfois peuvent travailler le matin. À s'animer dans pourquoi. Ils travaillent aussi le soir. À son lit. Ils rentrent. À qui coup. Il va au coup. Donc, derrière, au fond, la Bible, les actes. Il n'a pas le temps d'ouvrir le Saint-Esprit. Voilà vraiment ça, la date versée à l'amour de l'argent. Là, vraiment, tu es dans les versets de l'amour de l'argent, le causeur. Bon. Amen. Donc, il faut y gérer temps. Et au ma belle ligne. Tu vas savoir gérer ton temps, que tu sois dans n'importe quoi. Il faut que ma belle ligne en zambé à ça. Tu vas savoir que ce pays, c'est Dieu qui l'avait créé. Amen. Avec le nom de Jésus, vous êtes capable de dominer. Accompagner sous un nom à côté à Koukoun Zakouna. Afin que tu ne marches pas de la manière dont les autres sont en train de marcher. Israël avait une amour. Israël était dans la captivité. La table où il y a roi Assyris. Du temps du roi Assyris. Mais culture, ça va qui on a. Mais la culture qui était dans cet empire. La primature. À la primature. Et ça, que ceux qui Aman à côté. Et si Aman entre. À tourner, on se va travailler, nous offrons pas fou. Et tout le monde va se prosterner devant lui. Mais Mardoché restait toujours debout. Il maîtrisait bien la culture de sa nation. Et ses collègues lui ont posé la question. Il y aura la réponse. Écoute la réponse. Je suis juste. Nasa Mouyouba. Donc, à combien il s'attendait qu'il juste n'aille pas dans le même n'a plus dans ça. Il ne peut pas décrire sa culture en empruntant la vôtre. Non. Au moment là, Moutou. Vous allez voir quelqu'un par exemple ici, il ne peut pas marcher avec le Coran. Maintenant, on est dans le milieu où tout le monde se peut permettre à moi. Et lorsqu'il se retrouve dans un milieu où tout se le permet, et lui aussi commence à se promener avec lui. Il faut y avoir posé un résultat. Et tu vas savoir que tu es un juif. Et tant que Aman, premier ministre, a pour expliquer. Juif Lénan. Et lorsque on expliquait ce qui est un juif, et pas un roi, auprès du roi, à l'homme, roi, il a dit au roi, il y a un peuple, et ça dit à l'Ibot à mon corps. Bazar répandit dans toutes tes provinces. Oui, on va partir, il n'a pas mort dans la rue, c'est un peuple, et ça dit l'Ibot à mon corps. Oui, Bazar n'a pas loi, n'a pas mort, à part que les autres rois. Ils ont leur loi à part celle des autres rois. Ils ont défini juif, pour que le roi Cyrus puisse comprendre. Amen. Amen. Voilà, niveau à cour royale. Là, au niveau de la cour. Vous savez qui était un juif. Qui a tant pour la canalole que vous avez fait pour y en amener. Il marche selon la loi de son Dieu. Amen. 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 On veut être engagé dans une société aérienne. Vous avez une sœur. Tu es une sœur. Pour la hôtesse. Pour être hôtesse. Oh, hôtesse, pas obligé là d'agir par mes courses. Hôtesse, on t'oblige de porter des courtes jupes. Bautique à la mandola. Il a dit rester avec vous là. Mouyouda, il faut avoir la loi. Un juif doit avoir sa propre loi. C'est très important. Les amis vont tous les appeler. Comment les bichons vont avoir ta religion? Lorsque tu es engagé, à tenir la mission à la machine, nous sommes que les courtes jupes. Parce que quand même, tant que nous sommes dans la machine, lorsque tu portes les courtes jupes, ma client va vous en attirer. Et maintenant, tu attires la clientèle. Et pour faciliter mon
dans la société. Cela va faciliter l'entrée des recettes. Donc, dans cette, dans la l'entrée des recettes, c'est pas mon péché à moi, la sœur. La soumoura, je pêche. Oui, on se sait tous en bon. Pour que toi, société, puisse me protéger. Après, tu me pêches. Bon, la soumoura, il m'a dit qu'il m'y pêche. J'avais péché en exposant mes cuisses. Bon, maintenant, là, vraiment, t'en poses en bon. Est-ce que vraiment nous pouvons prendre la dîme de tel argent? Mais sa salité! Dans cet argent sale! Il faut qu'on défende la position de la parole. Il faut défendre la position de la parole. Et tout ça, colonel, c'est une cupidité. Et on avait parlé sur la cupidité. Et maintenant, tout ce qu'on a déjà dit, il y a doctrine à Jézabel. Et nous entrons déjà sur la doctrine de Jézabel. Toujours remarqué, nous remarquons. Que Jézabel, la personne. Et Jézabel, la personne physique. A existé du temps d'Akab. Elle avait existé du temps du roi Akab. Azaraki Sidonien. Elle était une fille de Sidon, comme nous l'avions dit. Sidon et Azaraki, une nation. Sidon était une nation. Libanda à Israël. En dehors du pays d'Israël. Donc, Azaraki, Apaya. Donc, ils étaient des étrangers. Akab. Et le roi Akab. Donc, on la regarde, non sur David. Et comme ce regard n'était pas plus sur David, parce que les rois m'ont conduit, c'est David. Et ça n'est pas où il dit. Pourtant, qu'on a bien inventé, regarde David. Pour marcher bien dans la royauté, il faut regarder le roi David. Mais il regarde, mais il n'est pas Jéroboam. Mais lui, ce regard était plus sur Jéroboam. Un homme à savoir qui Nicolaïsme. Un homme qui avait utilisé la conquête du peuple. Parce que là, pour ça, la moi, la il n'avait plus de tenir conseil. Et résultat, réunion, et les résolutions de cette réunion. Et mon petit vaudon. A enchanté le vaudon. Israël, voici ton Dieu. Il savait l'état de sa ménage. A émis qu'à son cause. Il savait bien qu'il mentait. Mais pour enfermer les peuples. Mais seulement pour emprisonner les peuples. La simanaï. Derrière lui. Mais. Akab, mais Akab, a parlé la kindélié. Il n'avait regardé que la manière de marcher de Jéroboam. C'est pourquoi il faut faire très attention. D'après ce qu'il faut qu'il a mis, imite Akab est bien. On imite ce qui est bien. Non, mais mal. Mal était. On y a des impudiques désordonnées. Tu me vois dans les impudicités et tes hommes. On imite le mal. N'imite pas le mal. Parlez là, Yahoo. Il faut blâmer ce qui est bien. Aucun sourire ne compte à Jérusalem. Ni quand on compte, on compte avec beaucoup dans Jérusalem, à Nicolo. Néné, Apocalypse, chapitre 21, verset 8, maison. Comme nous le dit Apocalypse 22, verset 8. 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Pasons par dehors les chiens. Ni pas là, par moi. Des impidiques. Par tout la Nicolo. Des menteurs. Par tout le monde. Et la mensonge, par le pique, dehors. Madame, parce que j'ai insisté dans ma mensonge. Mais dans ma mensonge, mon écriture n'insiste pas. Cette écriture a insisté sur le mensonge. Parce que les diables ont peur des mensonges. J'ai fait ça pour la salite à terre, putain. Apocalypse 21, verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour les lâches, la si bonne aventure en Bédélé. Expliquez dans le lâche, mais ça très patient. Banana pour la lâche, ma maman va y aller. Lâche. Libora, mon âme. Est-ce que vous allez comprendre un peu de délai? Donc. Voilà. Mon talonné, mon âme, une telle personne ne sert pas à sauver. De l'itamboueza, il y a moi. La chose est comme ça. Aujourd'hui, il est vite. Mais il est vite. Les lâches. Les incrédules. Les abominables. Les meurtriers. Les impudiques. Les enchanteurs. Il y a dans d'autres doctrines la prostitution, c'est seulement chez les femmes. Non, ils ont prostitution.
Les enchanteurs, les idolâtres. La carte à l'idolâtre, Ephésiens 5:5. Les idolâtres, Ephésiens 5:5. Bah, cupide. Maintenant, le corps soit bon. Le corps soit bon. Communauté à la sainte, la communauté va se veiller de l'opposé. Nous devons veiller à cette chose. C'est très important. C'est très important. Monté à Koufi, autant que si ma lettre va contribuer pour la... moi, Sinaï, va contribuer, va contribuer. Un serviteur est décédé, tu fais. Moi, Sinaï, n'a pas suite. La famille des frères n'a pas bénéficié de la vie. Et là, t'as osé que ça va. Sache que même si tu ressuscites les gens, place Nayo, l'Apocalypse 21, verset 8. D'abord, c'est l'Apocalypse 21, verset 8. Tu ne verras pas le Seigneur. Attends, vous m'avez révérant. Même si on t'appelle révérant, mon Dieu, la lumière. Mon Dieu, la lumière. Tu ne verras pas le Seigneur. Ça va, ça va, c'est des personnes. Ça vient à ta la tête. Il faut que les retournes, moi, si on a le baguette, naïf, baguette. Tu dois aller trouver la femme qui te fait pour lui, je t'avais volé l'argent. Mais on trouve, c'est même la commune. Tu as fait la collecte dans son nom. Souvent, naïf. Parle avec elle. Ça va dire. C'est très important. Parmi les idolâtres et tous les menteurs. Donc, et c'est ce que j'ai dit. Dans ce qui concerne les mensonges, il y a plusieurs sortes de mensonges. Il y a plusieurs sortes de mensonges. Vous êtes là, moi, je suis attentivement. Mensonges, je suis là, je suis là, il y a d'autres mensonges, ce n'est pas la magasin. Il est ici à l'intérieur. Mensonge, Moussous, il y a un mensonge qu'on t'a posé. Donc il manque comme ça. Ça va dans la il est toujours ici à l'intérieur. Tous les mois. Par cause, il n'y a pas. La mensonge, il m'a servi si moi, il m'a dit bon. Et dans les mensonges, il y a un tas de gens là-bas à l'intérieur. Amen. Sauf qui va être ici, va poser la question à l'écriture. Si on me pose une question à l'écriture. Sauf qui va être ici, il va poser une question à si je n'ai pas encore de lumière sur cette écriture, celui m'a conscient. Si je mens, à mon âme, ma conscience n'est pas dit que yo, ma conscience me dit à toi vraiment. Si je dis que vous si c'est vraiment que tu es en train de mentir, les frères. Conscience est le mot à terre. La conscience ne dit jamais non. Mon état aux hommes d'Ézéchiel, tu vois quand tu vois Ézéchiel ici, et il ne va pas où est, cela veut dire aux hommes de la table, aux hommes de la table. Tu manques seulement parce que tu es ministre. Conscience est qui la conscience ne me laisse pas tranquille. Il voulait être comme Moïse. Et c'est mieux ça va pour la Moïse. Un nombre 9. Un nombre chapitre 9. Tant qu'on va poser une question. Parce qu'on lui a posé la question. Un bateau va rater pas. Par ceux-là qui avaient raté la Pâque. A tout dit pasteur avant Moïse. Ils ont interrogé à la pasteur. Mais plus sûr qu'on a touché du maman. Comme nous, on avait touché le maman. Tu as raté Pâque. On a raté la Pâque. Serions-nous privés de célébrer la part de l'Éternel à ce point-là? Il a dit le Seigneur ne l'a pas encore fait connaître. Hébreux 3, ils ont dit Moïse était fidèle. Pour ça, il y a un qui s'est mon adapté. Donc, et l'autre qu'on a évité à vos journaux. La chose que je connais, c'est ce que je dois dire. Parce que mon Dieu a témoin, témoin. Donc, que veut dire un témoin? Ayoki, il a entendu amen. Et il a vu. Alors il dit. Amen. Mais ce qui va baisser la beauté. Mais si on ne l'a pas encore. Je ne veux pas aussi en parler. Jean Zaraki n'a prophétie qui tout pour rien. Jean avait une très bonne prophétie pour lui. Mais à Balagi Nalu, côté à terre. Il n'avait pas encore commencé à parler. Mais Luc 3 et Lobby, mais Luc 3 dit ceci. À quel moment il va voir dans la Zamba, il était dans le désert, jusqu'à ce que la parole de Dieu et qui révélait par lui. Jusqu'à ce que la parole de Dieu lui fit révéler. Pourquoi la prophétie? Pourquoi la prophétie de Dieu Lobby? Parce que la prophétie dans les années 40. Dans les années 40. Bah, il y a mis ce qui est écrit. Dada.
Mazolo ba mwana na mwasi ya
foi. Alors, oui, ils ont réuni la foi. Parce qu'il réunit la foi au vrai enseignement. Donc, l'enseignement. Dans l'acquisition. Maintenant, ça va, ça va, il est venu. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Frère, il y a ce moment-là. Mais le frère est venu proposer ça. La ronde montée, il y a tout bout qui a comme rouge. Et le serviteur s'est très irrité et a rougi. Sans moi. Donc c'est terrible. Ah, mais c'est que ma mais bon, la vie n'est pas. Moi, je lui avais dit, les chers amis, c'est un passe, ce n'est pas une vie. Aux autres, que moi, on a un frère, moi, pas la série. Et le frère veut le pousser à ce côté, il a dit, vous mettez ta frère. Je vous dis, le papa serviteur veut taper les frères. Maintenant, ça passe à la maman. Maintenant, le Seigneur fait ces choses. À permettre que. Il a permis. Frère de Sikazaraki, il y a le frère là où il était. À Matigrad. Il a été promu. Après c'est. A suivi voyage à Boto. Il a reçu le voyage. En mission. En mission. Maintenant, le terme. Maintenant, le papa a commencé. T'as la tête à la santé, t'as le terme. Mais à son temps, à son paquet, mais donc ça n'a pas été dans les gens visibles. Il ne faut pas les autres invisibles, mais prêcher comme ça au sein. Oui, c'est ça, l'amour de la joie. Le conseil à mort ne pouvait pas goûter. C'est ça l'amour de la joie. Il faut que ma maman ma casse. Il faut prendre garde à ça. L'enseignement, c'est notre vie. Il a décidé pour moi une abysse. Et ça, il a commencé pour un temps. Ce n'est pas une chose, une chose. C'est notre vie. C'est ça, Pénza, mon Dieu. C'est notre héritage. J'ai une couleur d'abysse au Pénza. Ce qui prend beaucoup faut qu'on enseigne. Si cela va demander la mort, tu mourras pour l'enseignement. L'enseignement, il faut garder le jalousement. Tu dois jalousement garder l'enseignement. Même au détriment, à ta soigne, il ne faut pas tant vous falsifier. Yokita, toi qui milites, enseignement-toi. Que l'enseignement puisse s'élever. Pour la parole. Parce que Jacob est en aller vous élever. C'est la parole qui t'élèvera son tour. Et on va remarquer que, et tu vas remarquer, la chose lio, à Kabazaraki, la chose qu'Akab avait commise, a eu une fille étrangère. Parce que moi, si naïe, il y a mon païen. Cette fille a yé, n'a pas faux dieu naïe. Et cette fille avait apporté ses faux dieux ici. Baal. Aïe, n'a mon aïe. Cette fille l'a apporté en Israël. Le Seigneur, le roi d'Israël, t'y adorera que le Seigneur seul. Et on va le battre au sable et à ta et tu l'aimeras de tout ton cœur. Pour l'hiver, à mon thème, à de tout ton âme. N'a mon lèvre, à mon débat. Au gros cap, on le voit en et tu ne peux pas te séparer de l'amour de Dieu. Mais les péchés, la table, si ma soule, il y a mon combien. Et quand il s'y force adoration, on fait entrer la fausse adoration en Israël. Et Jézabel a eu un faux Dieu. Et Jézabel a apporté un faux Dieu. À table. À table, frère. Alors, il est dit, moi, si, mais en pantalon. Il était comme une femme, mais en pantalon d'homme. Avec le soir, comment dans le roi Akab a commis. On a lu que c'est le roi Akab qui les a écrits. Même nous t'a composé, on a mis au mais c'est lui qui avait composé le Jézabel. C'était la femme de Jézabel. Après, il m'a dit, si, et après, on lui a dit de mettre un seau à la femme. On avait fait cela dans l'heure. Mais le bon Dieu m'a révélé qu'un prophète. Comme le Seigneur révèle son Seigneur à ses prophètes. Tant que Basali les dit, lorsqu'ils ont fait la lecture de cette lettre, a-t-il des personnes, on a mis deux méchants. Pourquoi c'est la n'importe problème pour témoigner faussement contre lui. Pourquoi pour ma n'importe afin qu'on puisse le tuer. Élie a ce bon Dieu, c'est le cas qu'il n'a pas. Élie voyait tout ce qui s'était passé dans la maison d'Akab. Cette lettre qu'on est en train de lire. Jézabel, c'est Jézabel qui l'avait écrite. Mais c'est pourquoi il a dit ça. Parce que Jézabel allait là pour confesser. Mais parce que Jézabel était allé confesser. C'était moi qui avais écrit ça. Après, Akab a tiré. Après, Akab a poussé son saut. C'est Élie. C'est le Seigneur qui le lui avait révélé. Oui, il est qui dans la chambre Akab. Ce qui est passé dans la chambre du roi. Mais la Bible est venue l'être à roi. Mais d'ailleurs, c'est apparu comme la lettre. Et c'était l'être de la femme. Parce que ça va qui mon canard, moi, si mais à Kouma. Pourquoi Kouma, Nabot, en fait, juste. Son fils est lapidé, Nabot qui était juste. Pourquoi comment nous allons y arriver. Mais il est marqué. Mais
Mais remarque ceci bien. Que Jézabel, nous la remarquons, a inaki grâce. Elle n'aimait pas les grâces de Dieu. Au moment où le peuple va s'arrêter au clocher des deux côtés. L'hypothèse à laquelle vous débattez par la bandage au Nibali. Peuple va penser à qui Yahweh. Le peuple avait oublié le nom de Dieu. Parce que le rôle de Baal. Parce que le rôle de Baal. Et que Koroyo, Jézabel, contre qui est Israël. Le rôle que Jézabel avait apporté à Israël. Et Yahweh va pour faire oublier le peuple le nom de Dieu. Aussi pas comme ça. C'est pas pour faire oublier au peuple le nom de l'Éternel. Il faut bien le saisir. C'est pourquoi tu vas remarquer. Après la mort à ma déjoint, si ma Yakoufa prophétiquement, Israël a rencontré la force adoration. Israël va entrer dans la force adoration. Yamon et Jésus ont dit dans Matthieu 24. C'est à cause de cela Jésus a venu dans Matthieu 24. Verset 15. Lorsque vous verrez Tamokomonaka, l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Mais bon, établi alliance. Mais tiens, il n'existe pas les sangs. Au moins, les gens n'ont pas si bien battu à la main. Vous voyez, cela me cause trop de soucis, la manière de lire les gens. Alors, on va battre. Et directement, il commence. Moi, l'abomination. Vous voyez, cette abomination, frère. Barab, Batongi, temple de mort. Temple de mort. Les Arabes ont construit le temple de mort là-bas à Jérusalem. Moi, vous voyez, l'abomination placée. Mais pas où il y a son bâton. Sauf que tout n'y est aux yeux en mon gros. Si tu pose la question, où est-ce que tu as pris cela? Attends, il y a mon Manuel. Il a mis cela peut-être dans les brochures des gens. Parfois, lorsqu'il a lu ainsi, a vérifié l'écriture. Il n'a pas vérifié les écritures. Jésus lui-même a dit, lorsque vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé. Cela veut dire, qui a le Matthieu 24? Nous avons Daniel cherché cette abomination dans le livre. Mais monsieur, ce que Daniel a parlé. Nous avons Daniel à l'homme. Mais on dit qu'il y a un moment du temple de mort. On commence à parler du temple de mort. À un certain moment. On avait construit le temple de Mar. Là, maintenant, on va Israël. Avec ceux qui se rendent en Israël. Tati à Congo. Il attend. Les agressions lancées. Et des soins. Voilà, maman, nous sommes en drapeau. Allez tous avec le drapeau du pays. Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, ce sont des maudits. Bah, il va y avoir des bâtiments qui sont en train de se faire. Promesse de la carte à Congo. Où est la promesse de la carte du Congo dans les Écritures? Au carte pour moi, c'est dessiné. Il y a une carte de la RDC qui s'est dessinée là-bas. Est-ce que j'ai commencé à pleurer? Jésus a remarqué même la femme samaritaine. Jésus a venu à la femme samaritaine. Et vous allez ni sur la montagne ni à Jérusalem. Ce sera ni sur la montagne ni à Jérusalem. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Tout ça pour les amis, on est au père au sol. Il y a un dessin dans le monde. Ce n'est pas un dessin. Congo. Le Congo. Là, on t'a aussi soumis, on s'est Congo, mon casam. Vous allez voir un autre qui dit. Ça va venir à Kaman à la témoin. Le Seigneur, vraiment. Là, il y a un qui comprend ça. Qui t'a dit que le Congo, c'est le pays de Dieu? Cameroun, pas pour le pays. Les Cameroun aussi diront que leur pays, c'est le pays de Dieu. Côte d'Ivoire, pas pour le Côte d'Ivoire, mon casam. Et les Ivoiriens aussi diront que leur pays, c'est le pays de Dieu. Alors, comment est-ce que vous allez vous départager? Lorsque la parole a quitté Israël, elle est venue vers les nations, mais précisément dans l'église. Ce n'est pas Congo. Et ça dit Congo, église. Église à Zambé. 1 Pierre 2 est venu à la nation. 1 Pierre 2 a appelé l'église nation, Libota. Vous êtes la nation sainte. Vous avez Libota et sainte. C'est la nation en Matthieu 21, le livre verset 44-45. C'est la nation dont on parle en Matthieu 21, 44-45. Le Seigneur a promu le royaume à Israël. Le Seigneur va apporter le royaume à Israël. A vos pères, savoir à une autre nation. Il va les donner à une autre nation qui a rendu les fruits. Et alors la nation, où ils sont des Congo. Et on dit que cette nation, c'est le Congo. As-tu peux verser à Deutéronome 6. Ils ont pris le verset de Deutéronome. Si mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué. Dis-nous, monsieur, que le nom de l'Éternel est invoqué à Congo. Ça dit que le nom de l'Éternel est invoqué au Congo. Congo, et ça n'a pas de Le Congo a beaucoup
de Dieu. Islam, ma doctrine, ce qui parle. Ma doctrine est mêlée. Beaucoup de doctrines au Congo. Je m'en ai dit, je vais la poser au Congo. La question, c'est qui te l'a dit? C'est qui mon nom est invoqué? C'est le peuple. Aujourd'hui, c'est l'église. Les deux amis, l'église est assemblée. L'église est dominée que n'a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous voulez parler moi, donc vous voyez au Parlement, mon témoin va dire député. Il y avait un évangéliste député là-bas. Évangéliste qui s'est amené. Qui s'est apprécié la parole. Maintenant on lui a donné la parole. Priant. Tout ça bien. Maintenant, président de la science MGK. Maintenant le président de la science vient dire. Moi n'enseigne ça la doctrine. Mais moi, a sa doctrine. Et l'autre aussi a sa doctrine. Maintenant, toi, tu veux prier. Quel sort de Dieu pour que ça vienne à sa tête. Et moi, va accepter. Maintenant, il y a un député pour qu'on dise à loi et qu'on a dit loi à il était là-bas pour voter les vagistes, mais comme le de Dieu. Tout le monde est dit, malgré ce qui a dit, il a dit loi, il a dit loi. Il avait proposé. Il faut voir les résultats. Il faut toujours voir les résultats à la fin de chaque travail. Donc, c'est que, c'est-à-dire, les noms de l'Éternel sont invoqués dans l'Église du Seigneur. L'Église a bien basé les copains de la Congo à c'est l'Église. Les amis, la nation où les amis dans le nom du Seigneur, c'est l'Église. Dans la nation qui a le nom du Seigneur. Congo, terre, barbarie, non. Congo, c'est le royaume de Dieu. On n'a pas dit que le Congo, c'est le royaume de Dieu. Sauf que le bon ami, les hommes de Dieu. Si tu lui poses la question, pourquoi c'est le royaume de Dieu? Manqué, tout ça n'a pas. Vous allez voir, on a de l'or. Tout ça n'a pas de diamants. On a des diamants. Tout ça en pétrole. On a du pétrole. Bon. Verset 1 de nous, qui est en vous en diamant, en pétrole, en banni, vous en nation liquide. C'est quel verset qui dit que lorsque vous serez scandale géologique, vous serez le roi. Le problème, c'est l'écriture. Le problème, c'est l'écriture. Mais Exode 19 va expliquer une nation de Dieu. Exode 19 nous explique la nation de Dieu. Ceux qui vont obéir à ma parole, ceux qui vont tous suivre le baratage, vous serez. On pose à la libre en aille. Donc déjà c'est pas plus sûr qu'on connaît la nation. Déjà on tenait la question des nations de Dieu. C'est qu'il va tout nion sur la zone pays n'a un seul Dieu. C'est-à-dire tout le peuple obéit à un seul Dieu. L'Exode 19 venait le bien. C'est l'Exode 19 qui est. On va aller dans verset 4. On va passer verset 4 jusqu'à 5. On va le royaume des sacrificateurs. Vous allez beaucoup dire madame Azambé. Vous allez la nation. Vous serez ma nation. Ah, c'est que vous êtes la nation et vous n'avez pas l'obéissance. Donc être la nation de Dieu, c'est pas l'obéissance. Aujourd'hui, l'obéissance, c'est dans l'église. Et donc, on tous, c'est dans l'église. Parce que l'obéissance, c'est la foi. Vous êtes pour tous, il est continuant. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que, c'est-à-dire, dans le morning, Matthieu 24, verset 15, lorsque tu vois Matthieu 24, l'abomination dont le prophète Daniel a parlé, et j'arrive dans verset 27e à Daniel 9. C'est tout le verset 27 de Daniel 9. Et j'appelle à Daniel 12. C'est tout aussi dans Daniel 12. Et je reviens toujours en abomination. Et Daniel 12 parle toujours au sujet de cette abomination. Abomination, vous avez placé dans le temps où il était. Et cette abomination n'est pas placée en ces temps. Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus-Christ. Aïe na adoration. Il a apporté l'adoration. L'adoration est dans la Kala. L'adoration qui était dans la Sienne. Le sacrifice est dans la Biboma. Donc les sacrifices étaient les victimes charnelles. Mais nous sommes les lots. Mais nous aujourd'hui. Hébreux 13 est le bénéfice au bruit. Hébreux 13 nous dit ceci. Parce que dans le temps, il s'est dit notre. Parce que je m'en vais vous montrer. Au moins, il parle de Jézabel avec Anaï. Vous voyez pas le Dieu pas que Jézabel avait apporté. Basotalisa, la bête, le faux prophète, n'est pas la fausse adoration. Na Israël, Apocalypse. La bête, le faux prophète apportera une fausse adoration en Apocalypse. Osée 2, 19, les hommes n'ont toujours Baal. Osée 2, 19, appelle cela comme Baal. Mais dans la langue Apocalypse 13. Mais remarque dans Apocalypse 13. Le 13 plutôt. Le bon chapitre 13. Adoration au Missouza. L'adoration que nous avons aujourd'hui. Verset 15.
Le verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est ça le sacrifice que nous avons fait. Donc le fruit de nos lèvres, comme nous prions. Maintenant, cette adoration, c'est celle que les adorations vont apporter à Israël. Oui, parce que la même nourriture que quatre lépreux maintenant qu'il y a, et c'était la même que les déchards étaient allés prendre. Amen. Or, Charles, Mazon défini à mon Élysée. Et Élysée lui-même définit c'est quoi un chat. Tant Élie Azokéné, lorsqu'il est monté au ciel, mon père, chat d'Israël. Maintenant, il commande des rois 7. C'était les deux chats qui avaient apporté la nourriture. Les chats, loin en arrière, quand ils s'en délire. Et ces deux chars-là représentent deux prophètes, Élie et Moïse. Nathan oublie ce qu'on s'y courait. Lorsque nous avons fini de manger, Élie et Moïse vont avoir la même nourriture. Élie et Moïse vont apporter la même nourriture au peuple. Pour apporter à Israël. Pour prêcher Israël. Donc Israël a comme en adoration et à l'air. Israël entrera dans l'adoration. Sacrifice et à l'air. Dans les sacrifices de fruits et d'air. Mais après l'Iwaya a deux ans. Mais après la mort de deux ans, Israël a changé l'adoration. Israël va changer l'adoration de Dieu. Et le moment d'avant, où est-ce que c'est arrivé? Dans Osée 6. Dans Osée chapitre 6. Parce que ça dit la Bible qu'on y a. Parce que toutes ces choses sont très utiles. Alors d'abord, dans Osée Israël, oui. Ici d'abord, je te montre ceci. Les faux dieux Baal. Jézabel a yakanaïe. Et Jézabel avait apporté en Israël. Dans ta église. Du temps de l'église. Exact. Donc c'est faux Dieu là aussi. Là. Dans ta Israël. Du temps d'Israël. Exact. Donc c'est Dieu là aussi existera. Donc, Misala Nyonso et Amabeo et Kosel et ma fausse adoration sur la terre. Et toutes les œuvres des ténèbres ont une fausse adoration sur la terre. Exact. Pendant qu'on bat. Donc, et Bétamipé n'a pas voulu savoir le Bouddha. Bah. Donc, Jézabel a dit qu'on va bouffer. Donc, Jézabel physiquement était morte. C'est sur ça que nous voulons insister. Jézabel Boye a koufana. Jézabel physiquement était mort. Que Dieu soit loué. Ça vient à nous. Mais pas mouvement naïe. Mais ce mouvement est le travail. Comment est-ce qu'elle avait travaillé? Exact. Donc c'est le trouve aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. D'accord, en quoi est-ce qu'on a dit na niveau du colo à Bambani. Lorsqu'on avait précipité depuis la fenêtre jusqu'à terre. J'ai eu la tinta qui maintenant pas qu'elle ne consoyait pour pas qu'on aille parce qu'avant moi aussi avant. Lorsque j'ai eu avait envoyé les gens pour l'enterrer parce qu'elle était fille du roi. Bakuta crâne. On avait trouvé le crâne de Jézabel. Bakuti mamo. Puis la main, la paume de l'homme. Donc Jézabel a couché. Donc Jézabel est morte. Mais son intelligence. Ça se marie, les amis. Il faut continuer à faire. Continuer aussi dans la suite des temps. Ma coco, la manière de travailler. Dans son service. Et son anakana. Va continuer pour poursuivre les gens. Il y a mon des rois, ils ont mon des rois 10. Et c'est ce qui est dit dans 2 rois 10. Biloko Bakutaka. Donc c'est qu'on avait trouvé dans 2 rois 9. Aujourd'hui, maman. Amen. Donc, nous allons passer au Oséna. Je te donne d'abord l'écriture de Osée. Osana maman, Osana papa, parole est à ton aïe. Que tu sois maman ou papa, la parole est pour toi. C'est pour toi et tu dois la maîtriser. Il n'y a pas un autre chemin par où passer. Remarquez alors. Remarquez ici bien. On voit les textes dans Osée 5. Voyez le texte qui est dans Osée 5. Le Seigneur a zoro balolé, a zoro déchiré Israël. Le Seigneur parle de la manière dont il déchire Israël.
Alors dit, moi, je déchirerai. On a un verset 14. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Osée 5, verset 14. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Puis je manierai. Donc, Soka déchiré. Donc, s'il déchire le peuple, Juda na Ephraïm. Juda et Ephraïm. Donc, tant qu'on parle de Juda, lorsqu'on parle de Juda, Mazomona, Makatimono, Mabemaka, Benjamin, Naïmo, Juda. On fait allusion au fils qui est Benjamin et lui-même Juda. Tant qu'on dit Ephraïm, lorsqu'on parle d'Ephraïm, Mazomona reste, il y a 10 tribus lions. On voit les restes de toutes les 10 tribus d'Israël. C'est ça la prophétie. Il y a un côté de Sakoui. Donc, tant qu'on dit Ephraïm, nous allons rester à 10 tribus. Lorsqu'on parle d'Ephraïm, c'est les restes de toutes les 10 tribus restantes. Parce que Ézéchiel 37 les ordres. Parce que c'est Ézéchiel 37. Mais là, on a osé 5. Et ici, je suis dans osé 5. Le Seigneur en a acquis à pour déchirer. Le Seigneur a promis qu'il déchirera. J'apporterai et nul ne m'enlèvera ma proie. À cause que. Verset 15. Je manierai. Virgile, je reviendrai dans ma demeure. Maintenant, on lit texte. Maintenant, vous voyez ce texte. Jacques a utilisé avant la conférence de Jérusalem. Jacques a utilisé dans la conférence de Jérusalem. Paul a ses pierres assises pour le roi. Lorsque Pierre avait fini de parler, maintenant Jacques a suivi. Maintenant Jacques a pris la parole. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Et dit, dans un acte 15, verset 13 à 17. Oh frère, écoutez, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'être un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Cela qui est écrit. Après cela, je reviendrai. Comment dit je reviendrai? Jacques a vu avant à Osée 5. Jacques avait pris dans Osée chapitre 5. Donc, tant qu'on a déchiré, lorsque l'Éternel a déchiré, je m'en irai. Je m'en irai, ça vous voyez? Jean chapitre 1 et le 8. Donc, je m'en irai, c'est comme Jean chapitre 1. La parole. Elle est venue chez les siens. Aïe, pas à découvrir. Les siens ne l'ont pas aidé. C'est pas à découvrir. Maintenant, il t'a mis au sein. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Je m'en ai. N'a aucun naka. Vous en avez un moment. Suivez attentivement. Le lengue, ma juif, ma télévéla qui Moïse. Comment est-ce que le juif a saliné? C'était opposé à Moïse. Qu'est-ce qu'il s'est donné? A quel naka naïe. Vous en avez un moment. Vous suivez un temps. Lorsqu'il est parti, il est allé épouser une femme. Il y a un chaque à tout le texte. C'est pourquoi chaque fois, il y a osé 5. Il y a osé 5. Et là, vous en parlez que j'ai manié. Parce que le Seigneur avait dit que j'ai manié. C'est là que j'ai reviendu. Mais si maintenant, la cause au caca, c'est là que j'ai reviendu. C'est là que j'ai reviendu. Il était allé prendre. Son cas, il s'est reviendu avec mon peuple. S'il termine avec ce peuple qui a fait. J'ai reviendu. À cause au caca. J'ai reviendu déjà parti sa mon équipe. Voilà. Et je reviendrai, c'est Jean-Baptiste qui avait vu Jésus de loin. David, je reviendrai la main de demain. Maintenant, pour rien à maintenant, ça fait. Mais Osée 6, c'est expliqué. Maintenant, Osée 6, je vous l'explique. Venez le tournoi de demain. Oh, a tout ce qu'il a. Car il a déchiré. Mais il mais il nous guérira. Il a frappé. Mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans des jours. Et si vous prenez le frère du message de Branham, Joseph Smith, ils ont prêché avec le frère des ensembles de ces derniers jours. Derniers jours. Ah, ben, je vis aussi. Avec les témoins de Jéhovah, bah, mon âme un jour comme mille ans. Ici, ils ont vu un jour comme mille ans.
Alors, ma médecine. Mais ils ont fait des études. Donc, on a envoyé mon père sa guérison dans deux jours. Il avait dit qu'il va guérir en deux jours. J'avais dit qu'il y a juste pas besoin de ma 1900 et quelques. Vous avez dit qu'il y a 1900 et quelques. Qu'il y a juste après deux jours. On a venu de Jésus après deux jours. 10 000 ans! Évidemment, 10 000 ans déjà de l'événement. Il prenait cette écriture pour la prière. Alors, nous allons l'écriture. Il prenait cette écriture pour la prière dans la prière. Maintenant, quand tu es en 1909, tu as dit que tu es en on a tapé cet événement. À 10 000 événements, nous le sommes. 10 000 événements. Pour avoir ça, à 1 000 ans comme un jour. Parce qu'il comptait 1 000 ans comme un jour. Donc, on nous donne le coup d'âme. Alors que c'était de la fausseté de mensonge. C'est bien sûr, l'écriture est en absence. C'est bien sûr, il y a une écriture en absence. Un jour est comme 1 000 ans. On a fait la à zéro. Et là, on n'a pas fait de bien. Il y a un qui s'est dit, qui s'est tapé mal au monde. Alors qu'on rajoute un jour comme 1 000 ans. Mon colo, mille ans comme un jour. Mille ans comme un jour. Pourquoi un jour comme 1 000 ans. Alors un jour comme 1 000 ans. Mais nous ne pouvons pas faire qu'il va passer à la il faut dire aussi qu'on a changé le terme des âmes. Comment un enseignement. Et maintenant, un jour comme 1 000 ans. On a mis un jour comme 1 000 ans. Et on s'arrête à 1 000 ans comme un jour. Donc Dieu se va à 1 000 ans comme un jour. Verset 1 000 ans. Est-ce que le verset dit ceci? Et maintenant, nous ne pouvons pas faire qu'il va passer à la base. Dis d'abord qu'on ajoute aussi les âmes. Ah, selon compréhension. Selon ta compréhension à toi. Et puis, ça n'a pas unité qui est. Et puis, il y a des unités différentes. Un jour. Là-bas, c'est le jour. Un jour. Et comme 1 000. Et là-bas, c'est les années. 1 000 ans. On a un. Là-bas, les années. Ah, un jour. Ici, les jours. La unité qui est. Les différentes unités, les jours et les années. 1 000 ans. 1 000 ans. Un. Un. Un jour. Et mon colon, mon corps. À ta boîte à la maison. Adoration. Et cette fausse adoration, il y a beaucoup de temps pour
Apocalypse 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc, à part 144 000, il y a d'autres qui vont se suivre avec des femmes. Ma femme, voilà, ce sont des nations. Mais pas si on a des micros, n'est-ce pas Salomon le Baki? N'est-ce pas Salomon avait dit? Parmi les femmes, on a tant tout elle. Mais parmi les hommes, la catégorie de femmes, il y a vu un seul homme. Les hommes, là, c'est Israël. Ni pas lui, on a des libots. Nous sommes pour parmi les hommes. Et un homme doit sortir parmi eux. C'est les lieux attribués les gigantes. Mais parmi les femmes, les sauveurs ne sortiront pas au Congo parmi les femmes. Ma qui pétait. Non plus à quelqu'un. En France, mais. Non plus en France. Parce que les gens, Salomon a dit parmi les femmes, aucune. Parce que Salomon avait vu aucune femme sortir parmi les femmes. Mais parmi les hommes, la citation, ça ne pas. Jésus a dit cinq femmes samaritaines. Jésus avait dit la femme samaritaine. Les salis viennent de Dieu. Le but n'est pas à Yuda. Le but est une adresse au juif. Les salis a une adresse les juifs. Ça va être Abraham. Le Seigneur a dit Abraham. C'est par toi que toutes les nations seront bénies. C'est par toi. C'est par toi. Donc bénédiction pour Sionné. La bénédiction qui va se faire par toi. On viendra d'Abraham. Les salis viennent de juifs. Le but continue à Yuda. Que Dieu bénisse. Ça vient pas pour la vie. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on sait d'elle. C'est pourquoi après là on sait d'elle. Ça oiseau délivré Israël. Lorsque le Seigneur délivre Israël, Apollo la balle n'a pas. Il va ôter les noms des balles de leur bouche. Ah, Zamba, on dit ça va prendre la haine. Le Seigneur prépare, on classe déjà ses hommes. Zamba, Tindaki, trois bâtons basés sur l'esprit à prophétie. Le Seigneur avait envoyé trois personnes qui avaient l'esprit de la prophétie. Pour Israël, animaux. Afin qu'Israël soit délivré de la servitude. Donc Dieu est très grand. Ça vient s'animer les collègues. Athéna dit trois. Il avait envoyé trois prophètes. Amen. Athéna trois. Le Seigneur avait envoyé trois prophètes. Par où a été qui va en Égypte. Donc ceux qui les avaient délivrés de l'Égypte. Quand nous sommes allés dans l'antique, qui tire. Michel 6. Michel chapitre 6. Verset 4. Le verset 4. Car j'étais fait monter libéré d'Égypte. Oui, t'es la mission, t'es... J'étais délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse. Mose. Aaron. Alena. Marie. Et voici Maria. Donc Atina, trois envoyés. Donc le Seigneur avait envoyé trois envoyés. Moïse. Moïse, Aaron, Marie. Et moi, si Marie. Bah, ça va trois jours. Donc, c'est trois jours de ces six. Et bah, moi, nous sommes dans l'esprit de la prophétie. Donc, et tous avaient l'esprit de la prophétie. Pourquoi il a dit Marie? Pourquoi le Seigneur avait mis Marie? Pourquoi parce que Marie est là. Lorsque le Seigneur reviendra, voyez-vous, c'est Israël. Pour venir sauver Israël. Israël sera dans la fausse adoration. Israël sera vraiment dans la fausse adoration. Mais il n'y a jamais à voir le corps à une mère. Il n'y a pas à voir le corps à maman ou pas. Maman, attends-moi, n'a pas ma mère. Maman, même si son enfant était tué, il ne va pas la donner. À voir un maillet, à voir comme une mère. Elle va recevoir son fils. C'est pourquoi Dieu viendra comme une mère. C'est Esaïe 66. Esaïe 66. Verset 13. Le verset 13. Tant qu'à voir un bambi qui sait Israël, vous en avez dit maman. Lorsqu'il viendra sauver Israël, il sera comme une mère. Pour ce bazar, pour la papa, parce qu'il est comme un père, pour ta papa, parce qu'il a fausse adoration. Il va les trouver dans la fausse adoration et il va les frapper. Mais à bout ta papa, parce qu'il a fausse adoration, il va les trouver dans la fausse adoration. À vous se souvenir de la promesse d'Abraham, il va se souvenir de la promesse de l'alliance d'Abraham, Isaac, Jacob. Mais à vous délivrer, maman, la main à servitude. Il va les délivrer de la main de servitude. Esaïe 66, verset 13. Esaïe 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console. Le coup-là, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Il viendra comme une mère pour le peuple. Parmi les envoyés, chaque mari. C'est pourquoi parmi les envoyés, il avait placé une femme. Moïse, Aaron, Mose, Marie. La femme, c'est la faiblesse. Moi, c'est Zanibou Tabou.
Israël elle va accepter Israël même et il va délivrer Israël. À la qui déjà les exorcistes, elle avait déjà promis les exorcistes. Il viendra consoler. Mais n'avoir la consolation, je serai comme une mère. Mais il viendra dans cette consolation. Comme une femme. Mais une femme. Il ne va pas lui imputer sa méchanceté. Mais il va le porter comme il m'importe son fils. C'est pourquoi parmi les envoyés, il avait placé une femme. Et puis sur des siffles, si tu as pas si je ne peux pas dire que Fondation Siffles si, est ambitieuse si les femmes ministres. Non, ce n'est pas ça. Et ça, pour mon thé. Et je dis ce verset pour Hachem. Osez des versets. Les versets que je suis en train de répéter. Il faut Nathalie Israël. Il faut que je puisse le montrer aussi. Mais il y a même besoin de te quoi. Mais sache que tu es un homme heureux. Ah, on est là, on a tamboli. Ici, j'ai seulement marché. On a porté l'Isaké. Bale. Bale. Isaké Kyoko. C'était une idole. Oh, Jézabel a été là. Et Jézabel a fait apporter en Israël. Pour fausse adoration, quand on a la taille. Enfin, que la fausse adoration entre parmi nous. Mais pas loin. Mais c'est Bale. A sillonné et continue la prophétie. Bale. Bale a sillonné et entré dans la prophétie. Attends, l'église est connue comme une fausse prophétie. Donc, de l'église, Bale devient une fausse prophétie. Enseignement, ma mère. Il a qui s'y a ma paix. Et Jézabel enseigne. Oh, Jézabel a saillé. Allez à Israël. Et du temps d'Israël. Les alliés, fausse adoration. Oh, la bête, tant va pour adorer sur toute la terre. Donc, ce sera la fausse adoration que la bête va établir sur la terre en fait pour la terre. Ça veut dire que dans le temps, on a aussi Jézabel sera. Ça veut dire en ces temps-là, il s'est tout. Aussi, là, Jézabel a comme à la grande Babylone. Là, Jézabel a comme à la grande Babylone à mon aide. Il y a beaucoup de monde en Osée. C'est pourquoi dans Osée, chapitre 2, verset 16 à 19. Le verset 16 à 19. C'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Au moment où il la conduit au désert, il y a quoi dans l'Apocalypse 12? C'est ça l'Apocalypse 12? Femme à Bota, la femme qui avait enfanté. Désert, la haine, les oies qui étaient dans le désert. Et que cette haine l'avait emporté vers le désert. Vous en avez marre? Je suis attentif. Désert, voilà, ce sont des désoins. Papa, pourquoi la mi balé, ne va pas pour la mini balé? Désert, voilà, et il y a tant que déjà moi, la sienne avec toi. Et ce désert-là était venu après l'enlèvement du fils. Désert, voilà, les a déloqués. Ne sont pas aujourd'hui, non. Parce qu'elle est là, parce qu'aujourd'hui, nous avons si elle a un travail. Nous sommes la femme qui souffre des mains. Donc, moi, si elle a un travail, nous sommes la femme en travail dans les douleurs de l'enfantement. Mais ton combat à la perfection. Et nous allons enfanter la perfection. Mais moi, dans la beauté. Et cette fille, ça, moi, la matinée. Lorsque cet enfant est arrivé, moi, dans la et moi. Alors après viendront les désert d'aigles. Pour amener la femme au désert. Là, le fils était déjà en désert. Désert, lorsque les désert ont été appris à la nourrir. C'est pour que la femme soit nourrie. Ah, 1260 jours, les alamoris. En 1260 jours. Chiffre, les enfants d'Israël. Et ce chiffre-là, c'est pour Israël. Nous serons déterminés, nous serons dans 1260. Je ne peux pas nous déterminer dans les 1260 jours. Vous aurez normal. Amen. Et Osa le mène à Kiyako. Osa en avait pas. Et je parlerai à son cœur. Je vais l'appeler à côté, madame. Osu, verset 18, 19. Verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, qui m'appellera mon mari. C'est pourquoi je t'avais dit lorsque Isaac s'était marié. Abraham, pas comment. Abraham aussi était allé se marier. Donc, il est mort là-bas. Éternel, c'est le bout d'Israël. L'Éternel, c'est le bout d'Israël. Mais puis, nous sommes l'amour de Dieu. Nous sommes le bout, c'est de l'amour de Dieu. Vous savez, nous avons commencé à manifester comme leurs frères, comme Joseph. Lorsque le Seigneur va se manifester à eux, ce sera comme leur frère Joseph. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal. Parce que sacrifice de lèvres à bouche. Parce que aujourd'hui le sacrifice c'est le fruit des lèvres. Ce qu'on remplaçait comme on nous sous-écomit, force à
Si tu remplaces par un autre nom, cela devient une fausse adoration. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas pour là. Israël a remplacé Congo pour adorer la bête. Israël va remplacer le nom de l'Éternel par la grâce. Après la mort à des soins. Si ma couffe n'a pas pour la bête. Pourquoi cela? Parce que la puissance de Dieu avait d'abord des soins. Parce que la puissance qui était avec m'a donné mon côté. Et personne sur la terre ne pouvait le vaincre. Mais maintenant, tant que la bête a bondi, maintenant, lorsque la bête va les tuer, ils ont dit boxer champion du monde. C'est comme le boxeur. Ah, champion. Il a la ceinture. Maintenant, on est pas mort. Maintenant, celui qui va les tuer. Il est dira que celui qui remporte maintenant la ceinture. Il y a une puissance sur lui. Alors Apocalypse 13, 4 rentrera en scène. Qui est semblable à lui-même? N'a qu'à Yahou. Qui peut combattre contre lui? N'a qu'à qui pour Kundana Yahou. Alors toute la terre l'adore. Père m'a béni mon bimba et pour sembler la Kanyama Yahou. C'est après la mort à Dieu. Ça dit si ma papa pour la mini-bani. Cette victoire, le Colin va des gens sur les deux ans et voter que Israël a séduit. Va pousser Israël à être séduit par la bête. Mais les 144 000 terres. Mais non, les 144 000. Parce que les 144 000 par contre s'essuyaient avec des femmes. Les 144 000 ne s'essuieront pas avec les femmes. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Mais alors le Seigneur a dit que t'as ma foi à Bologna. Bal ne n'a pas. Le Seigneur a béni lorsqu'il viendra, il ôtera les noms des balles de leur bouche. Cela veut dire, le Nicolas, Jézabel sera là. Donc Jézabel sera aussi en ces temps-là. C'est vraiment, nous faisons bien. On est là pour classer balle. Je voulais seulement classer balle dans les événements. Mais il faut y évacuer. Mais tu dois savoir, Jézabel emporta tout le monde. Jézabel a même pas qu'à tenir sauté dans le sang de l'eau. Abdias a bombé sans prophète. Abdias avait préservé son prophète. Et le Seigneur a dit à la Eli. Et le Seigneur a béni à j'ai réservé 7 000. Là, il n'a pas mis ma photo. Qui n'ont pas fléchi tes genoux devant Baal. Qui n'ont pas fléchi tes genoux devant Baal. On va baiser Baal terre. Et on va baiser un peu quoi terre. Donc, c'est là béni. Attends, va te rabomber, maman. C'est là béni, même si les gens seront saignés encore. Mais bah, on va garder parole. Mais ceux qui garderont la parole. Mais Dieu. Comme toi, on s'arrête. Tu es là. On va voir ta vérité. Tu ne vas pas rejeter la vérité. Parce que Jézabel, oui, dis-moi si Jézabel, a koya na ma fausse adoration, ma kambama, bé ma kase. Elle va amener les fausses adorations de mon Dieu. Na kati na ye na tuerie, ça. Et en elle, il y a aussi des tueries. Que la grâce du Seigneur les a décolé dans mon corps, dans mon corps. La grâce du Seigneur soit sur tout le chacun. Zabé a bon, ma nom, ça, il y a un moulin. Et le Seigneur te préserve et te fasse du bien. Oye, la kara ke na lomenge to tambo, les a dit qu'on a montagne, ça. Tu sais ce qu'on a montré seulement pas dans les événements du temps. Mais tu vois que dans l'église, et tu dois savoir que dans l'église du Seigneur, on va garder bonne position pour ça. Il y aura toujours ceux-là qui vont garder la bonne position. Il faut dire que je suis du bon dans ces gens-là. Je ne veux pas céder aux choses en dehors des saintes écritures. Que la main du Seigneur les abricolons. Que la main du Seigneur les abricolons. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de paix. Je crois, Seigneur, aux amis de la Kinia. Libanda na yo, au continu sur la sanité, Seigneur. Après toi, il n'y a point de notre roi. Au Kokisaka, Binemo, Oyayo. Tu as compris tes signes à toi, mon Dieu. Au Salaka, Miné, les ports, le Kumon, à Kumonayo. Tu opères des prodiges pour l'honneur de ton nom. Molunayo, Zaranikolo, na moko, na moko. Que ta grâce soit sur tout un chacun. Ma programme n'y en soit à Molili. Que tout programme n'y en est. Oye, télémini ma soeur. Qui s'oppose à ma soeur. Oye, télémini mon frère. Qui s'oppose à mon frère. L'amour est échoué au nom puissant de Jésus. Mais c'est pour moi que échoue au nom de Jésus. Ta grâce est ta matinée. Que ça ta grâce qui soit mieux ça. Moulouna et l'homme qui s'est la vie tout manion sur sa main. Que ta grâce ne fasse vainqueur dans tous ces combats. Et si comme un bon ici qu'on s'est caillé, on tient les seins. Là, on a préparé à conquérir un
esclave a compris ici ma piège, j'ai envoyé échouer. Et on a tendu les pièges, que cela puisse échouer. Et l'homme a l'air taille, ça m'a tout. Et la victoire se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Tu m'y as pour les enfants. Et la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Zambé à bon ballon. Et le Seigneur te préserve. Assemble la yon la moumi. Et défense de grandes choses. Vraiment, excusez-moi pour le temps. Parce que Daniel a besoin d'assister sa pensée. Parce que j'avais besoin d'achever la pensée. Pour ceux qui aujourd'hui pensent moins d'amour, ça n'a pas passé. Parce que si tu prends la pensée en partie, et c'est là que. Que la paix du Seigneur, les amis, comme on a. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Amen.